Yahoo et dimanche, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga. Donc dans cette vidéo je vais te parler des mangas Shuriken qui est en 2 tomes. Donc je te mets le titre complet au dessus car je suis incapable de prononcer le deuxième mot. On s'en fout. Donc toujours est-il que le manga Shuriken est un manga en 2 tomes des éditions Panini dans le genre shoujo. Nous sommes sur un manga qui date de 2014 au Japon et de juin 2016. Les 2 tomes sont sortis en même temps de juin 2016 en France. Donc nous sommes sur un manga du coup qui est de Matsuri Ino, le mangaka de Vampire Knight, de Melopoly et de Captive Hearts. Donc Captive Hearts, je suis plus sûre, je crois que je l'ai présenté mais j'en suis pas du tout sûre. Pour Melopoly, ça c'est sûr et certain, je t'ai fait une vidéo. Et pour Vampire Knight, je ne te le présenterai jamais sur la chaîne tout simplement parce que je l'ai vu il y a bien longtemps et j'avais vu l'animé. Donc bien entendu, je ne lirai pas le manga. Donc voilà. En ce qui concerne le manga, il est dans le genre romance, étrange de vie. Donc du coup en ce qui concerne le résumé, il est une fois de plus dans la barre d'infos. Et en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirai que je n'ai absolument rien à reprocher à sa qualité de dessin. Mais en même temps j'ai lu Melopoly que j'ai surkiffé. J'ai aperçu la qualité de dessin pour le manga Vampire Knight. Et en ce qui concerne son autre série Captive Hearts, je sais plus trop, il me semble que je l'ai lu mais il me semble que je ne l'ai pas apprécié. Je sais plus trop. Bref, toujours été qu'en tout cas en ce qui concerne la qualité des dessins, je n'ai pas été surpris parce que tout simplement j'adore sa qualité de dessin qui est toujours au top. En ce qui concerne la série, j'ai vraiment aimé parce que j'avais, je sais pas pourquoi, une envie de série ninja, mais pas ninja Naruto, tu sais, où en fait t'as quasiment rien du ninja en soi, mais plus vraiment du ninja, je suis discret, je me fais dans l'ombre, je n'ai aucune émotion, où je laisse apparaître aucune émotion visible, etc, etc. Et j'avais vraiment envie de ça, j'avais une envie de ninja. Et donc du coup en ce moment je vais compenser aussi en animé. J'ai vu que j'ai trouvé 2-3 animés qui m'intéressent. Donc bref, toujours est-il que en tout cas en ce qui concerne la série, je n'ai pas été déçue. En ce qui concerne la longueur par contre, c'est vrai qu'on peut se dire 2 tomes c'est très court. Personnellement, quand j'ai lu le tome 1, je me suis dit, oh mon dieu, mais l'auteur va pas réussir à gérer le truc, c'est pas possible. En 2 tomes, c'est trop peu. Et franchement, quand j'ai fini le tome 1, je me suis dit, l'auteur va-t-elle réussir vraiment à gérer son œuvre pour faire une fin correcte? En 2 tomes, je le voyais pas du tout. Encore, quand j'ai lu juste le résumé sans lire l'œuvre, je me disais que ouais, c'était possible. Mais autant quand je lisais le premier volume, je me demandais si c'était possible. Et si ça allait pas être écourté en brut en fait. Et absolument pas. L'histoire est super bien gérée. L'histoire est super bien développée. Le caractère des personnages est très bien travaillé. Très bien respecté. La relation des personnages est juste magnifique. Donc vraiment c'est un manga en 2 tomes. Donc vraiment une petite histoire courte que je te conseille. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les histoires courtes, mais personnellement je n'ai pas d'avis vraiment là-dessus. Personnellement je te dirais même que je préfère les histoires de moins de 15 tomes, enfin quand ça tourne autour de plus de 20 tomes j'ai du mal et souvent je n'arrive pas à accrocher. Mais honnêtement là c'est une série en 2 tomes qui a été parfaitement gérée de A à Z et que j'ai vraiment adoré. Bon bien sûr il n'y a pas forcément trop de surprises sur certains points. Je l'admets, mais en 2 tomes déjà on pouvait pas faire mieux. Et honnêtement j'ai quand même apprécié cette série, bien que voilà, c'était une lecture toute calme, toute posée, que j'ai vraiment adoré. Hein, au niveau de la note, tu verras que j'ai vraiment adoré. Mais voilà, c'était sans prise de tête, c'était vraiment une lecture détente où t'as pas besoin de réfléchir, où t'as pas besoin de te poser des questions. Tu lis ça tout en détente et c'était vraiment juste parfait. Et ça a été lu au bon moment aussi pour moi. Donc voilà. Donc du coup on termine la vidéo avec mon avis sur les couvertures et en fait il est assez mitigé parce qu'il y a autant une que j'adore énormément, autant l'autre je ne l'aime pas spécialement, donc voilà. Donc on va commencer du coup avec celle que j'adore qui est donc la couverture du volume 1 qui est juste magnifique. J'adore vraiment l'apparence de la jeune fille qui me fait penser aussi à un personnage, à la héroïne dans Maid-sama. Je ne sais pas pourquoi la coupe de cheveux, la longueur de cheveux et tout me fait penser à l'héroïne de Maid-sama. En ce qui concerne l'arrière que j'adore du coup, voilà, donc si on veut la remettre dans, ça donne ça. Donc vraiment j'adore, je trouve ça juste magnifique. Comme la jeune fille a une cravate à carreaux, on reprend le carreau
de ce côté, du coup, avec un petit message de l'auteur, mais je trouve ça juste génial d'avoir repris le petit détail. Pareil, du coup, c'est la même couleur que l'on retrouve ici. Et quand on ouvre du coup le manga, ici on a du coup à apparaître avec le résumé du coup de ce qui va se passer dans le volume 2. Du coup, quand on enlève la jaquette, on a la même image du coup dans le fameux bleu mint que l'on retrouve du coup sur la couverture. Et de l'autre côté, on voit du coup deux images de shuriken. Donc le trajet et le shuriken ici et là. Donc voilà. En ce qui concerne du coup la couverture 2, c'est là que j'apprécie moins. Je n'aime pas du tout cette image. Je ne saurais pas du tout l'expliquer. Ah si, le couleur mint, on la retrouve aussi dans le titre. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait une lettre sur deux comme ça. Donc on retrouve le même principe ici. On retrouve du coup la liste des autres œuvres de l'auteur disponibles en France. En ce qui concerne l'intérieur du coup, enfin, qu'on enlève la jaquette, ça donne ceci. Voilà. En ce qui concerne du coup, pour le volume 1, qu'on ouvre du coup, on a une image comme ça. L'introduction avec les chapitres et une petite image. Et une double page justement qui est juste sublime. Et on attaque directement du coup avec la série, une petite image bonus. Pour le volume 2... on commence aussi avec une image comme ça. L'introduction, donc du coup, ça va nous rappeler tout ce qui s'est passé. Les mots en blanc plus gras, ce sont les noms. Donc ça, je trouve ça sympa. Avec une sublime image aussi de notre héroïne. Et on attaque de la même façon que dans l'autre. Donc voilà. Donc j'espère du coup que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu connaissais cette série et si tu l'as déjà lu, ce que tu en as pensé. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, love you!